Bonjour à tous, je vais vous faire une petite vidéo, voir un petit peu l'avancement. Voilà, vous voyez dans la serre, on voit, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Vous voyez, celle-là qui pousse, regardez. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Ça y va, ça pollinise. Alors ici j'ai ramassé quelques courgettes. Et c'est vrai que vous voyez, celle-ci n'est pas terrible. J'en ai ramassé, mais je n'ai quelques-unes ici, là, une qui pousse, vous voyez, quelques-unes qui poussent, mais il n'y en a pas beaucoup. Pas beaucoup, pas beaucoup, hein. Alors, si, voilà, concombre, vous voyez, là, j'en ai qui se planque là-bas aussi, regardez, regardez, le nombre que j'ai, ça pollinise. J'en ai partout, 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 partout. Vous voyez, ici c'est la jungle. Pour vous montrer tout ce mélange. Butternut, melon, concombre. Voilà, bah là c'est toujours le petit melon, bien sûr. Qui pousse tout doucement. L'avancée de l'autre. Donc après, bon, il y a les fleurs, mais bon, après. Alors, attention que. Alors, bon, j'avais vu des vidéos sur le. Avec Toto. Je sais plus qui encore que j'avais vu aussi que je suis. Ben, en fin de compte, c'était les tomates au cul noir. Est-ce que c'est pas butternut ou cul noir? Ça, c'est ma question. En fin de compte. Là. Voilà. Une autre ici. Bon, ici, c'est un autre plant de concombre. Petite betterave, là, pour l'instant. Mais il fait très chaud. Petit marron. Un là. Et un autre ici. Après, vous voyez, cela, ça va pas être bon. Comme je vous avais dit ici, c'est pareil. Voilà. Hop, je vais vous montrer un autre. Le butternut encore ici, vous voyez. Énorme. Donc après, j'ai vu qu'il fallait qu'ici ce soit fané, sec, pour le récolter. Donc j'attends. Voilà. On va faire le tour des semis. Ah, vous voyez. Celui-ci est monté, mais après je vais le planter assez profond pour voir. Voilà. Ça, c'est mes choux. Brocoli. En fin de compte, ça a mis du temps, mais regardez. Je ne sais pas si vous voyez avec le soleil, parce qu'ici, ça. Vous voyez. Les petits pois. Pareil. Là, j'en ai un petit peu. Alors ici, voilà. Carotte. Ça pousse doucement. Ça sort, voyez. Alors ici, on a eu beaucoup de vent et beaucoup de pluie. Donc ça nous a... Les tournesols n'ont pas aimé. Ça a rempli ma cuve à eau. Mais c'est tout. Des radis ici. Là. Alors j'ai mis des navets. J'ai mis... Là, j'ai mis des radis, oui. Autre endroit, j'ai mis des navets et radis noirs que j'ai mis tout ici. Là, pour l'instant, c'est les radis qui sortent. Oui. Voilà, celui-ci, je l'ai déshabillé parce que, vous voyez, les feuilles. Voilà.
Il y a celui-ci qui est prêt à être cueilli. Ramassé. Les autres, ça pousse tout doucement. Vous voyez, ici, celui-ci, il s'est couché. Alors, soit il fane. Vous voyez, celui-ci. Il est plus gros. Alors, c'est quand on a eu de la pluie. Ça, c'est le chou romanesco. Voilà, celui-ci. Celui-ci aussi. Et voyez, celui-ci. Les petites fleurs, les petits tournesols commencent à s'ouvrir ici. Vous voyez, il est beau. Hein, voilà, pour une petite vue d'ensemble. Donc celui-ci, j'ai commencé à le tailler. Alors, je vais continuer à enlever les feuilles, les autres feuilles, pour faire. Vous voyez comment... Hop, les carottes. Ça, c'est bien sûr, c'est de la bourrache. Les graines se sont éparpillées, vous voyez. Là-bas, on voit les carottes aussi, pareil. Ça pousse, ça sort tout doucement, donc je laisse pousser. C'est la première fois que je fais des carottes ici. Je vais voir. Voilà, bah, si vous voulez vous abonner, n'oubliez pas de cliquer. Cliquez si vous avez aimé la vidéo, laissez un petit commentaire. Bonne journée à vous. Au revoir.